Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'histoire d'un pays de la Bretagne qui s'appelle le Gouello. Bonjour Jean-Jacques, de quel pays s'agit-il ? Donc le Gouello est un petit territoire qui est un pays traditionnel. À l'est, le Gouello est limité par l'estuaire du Gouët et à l'ouest, le Gouello est limité par le grand estuaire du Trieux. D'un côté, côté est, c'est le Penthièvre. Et de l'autre côté, côté ouest, c'est le Trégor. Il est assez peu connu à l'intérieur et quasiment méconnu à l'extérieur. Oui, et pourtant, tout le monde connaît beaucoup de choses qui se sont passées dans le Gouello. La pêche en Islande, la pêche à Terre-Neuve, la Paimpolaise, l'Ogivi de la mer, les huîtres de Paimpol. Le Gouello, en fait, est très connu, mais pas globalement. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Et c'est un territoire alors qu'il y a des caractéristiques géographiques curieusement différentes. Oui, enfin, globalement le Gouello est un plateau limoneux avec des terres très riches, mais avec des grandes différences de paysage. Du côté sud-est, on a des grandes plages de sable séparées par des pointes élevées. Et de l'autre côté, c'est beaucoup plus une côte très découpée, très rocheuse et plutôt basse. Oui, donc... Un beau territoire que nous commençons de découvrir. Jean-Jacques, le Gouello, c'est aussi une limite entre deux langues vernaculaires, le breton d'un côté et le gallo de l'autre. Oui, il y a deux langues parlées, plus le français évidemment. 20 communes sont plutôt galaisantes, 16 communes sont plutôt bretonnantes et une partie des communes sont traversées par la limite. Et de toute façon, toutes ces communes-là, autrefois, on parlait breton. Et d'où vient le mot Gouello ? Ah, ça vient du celtique, du gaulois, Vélancis, c'est-à-dire le pays des meilleurs, ou alors le meilleur des pays, au choix. En tout cas, c'est une très bonne opinion qu'avaient les gens du Gouello de leur propre territoire. Alors, ce qui veut dire qu'il y a une histoire qui est ancrée à ce territoire. Oui, une histoire qui remonte très loin, et les traces de peuplement les plus anciens que l'on ait remonte à 200 000 avant Jésus-Christ à peu près. Et par conséquent, le Gouello est lui aussi passé par les grandes phases de l'histoire. Oui, le Gouello est peuplé très très tôt. On a des traces de population dès moins 200 000. Et encore à 120 000, cette population a nettement augmenté. Et elle continue donc à... Cette population a marqué les lieux, a laissé des objets que l'on a retrouvés et que l'on a pu dater. La grande période de prospérité, c'est vers le moins 6000 à partir de la fin du Mésolithique et l'agriculture et l'élevage vont se développer. Oui. Et les sols très riches permettent d'avoir des réserves pour les récoltes et de creuser des souterrains où on stocke ces réserves et aussi d'édifier de nombreux monuments mégalithiques à commencer par des allées couvertes, qui sont très nombreuses, et aussi plus tard des tumulus. Et on arrive ensuite à l'âge du bronze, qui est une période aussi de grande prospérité, comme pour l'ensemble de l'Armorique, avec notamment exportation de haches. Et d'autre part, donc, l'agriculture est toujours extrêmement développée, et on arrive ainsi progressivement à l'âge du fer, qui va aussi être une période prospère jusqu'à la conquête romaine. Jean-Jacques, depuis quand le Gouello existe-t-il en tant que tel ? Sans doute depuis avant l'arrivée des Romains, et puis par la suite, à l'époque romaine, c'est un pagus, c'est-à-dire d'un territoire qui a une identité, et par la suite encore, le territoire des Osis, une des tribus, va être fragmenté en plusieurs parties. Et donc une de ces parties de démembrement de la cité des Osis devient le Gouello. Et le Gouello donc va être attaché au diocèse de Saint-Brieuc, alors que le reste des Osis est partagé entre le diocèse de Quimper et le diocèse de Saint-Paul-de-Léon. En termes de cité des Osis, il faut bien comprendre un territoire. Oui, c'est un territoire avec une petite capitale au centre, mais également toute une population rurale qui vit autour.
Ce territoire a aussi connu de nombreux échanges avec l'autre côté de la Manche. Oui, parce que donc depuis toutes les époques précédentes, la Manche est le chemin le plus court et le plus commode pour échanger. Et là donc, au moment des invasions germaniques, pas mal de gens d'outre-Manche viennent chercher la sécurité ici et viennent s'y installer. Pourquoi existe-t-il tant de noms en commun entre la Bretagne ici continentale et l'ancienne Bretagne insulaire? Disons que ce sont les mêmes moines ou bien dirigeants de cités de Grande-Bretagne qui sont venus s'installer ici en fondant des établissements, des monastères. Et donc ces moines ont donné parfois leur nom personnel aux lieux qu'ils sont venus habiter. Il y a eu Budoc, par exemple, qui est venu sur l'île de Bréa, sur l'archipel de Bréa. Et il y a eu beaucoup d'autres gens, par exemple Cinquet, que l'on retrouve également en Cornouailles et que l'on retrouve également en Grande-Bretagne avec les mêmes noms. Il y a eu également Saint-Guignec, ça a donné Lanvignec à Paimpol. Et on a aussi Saint-Guignec outre-Manche, à la fois au Pays de Galles et en Angleterre. Alors parmi ces moines, on le sait, ils sont devenus saints, certains ont opéré des conversions. Oui, eux, ils étaient très romanisés, très bons militairement, et ils viennent dans une armorique qui est encore en majorité païenne ou druidique, et donc ils font des conversions, leur mobile est souvent un mobile religieux, mais il y a également un mobile politique d'organiser un territoire, et cette organisation du territoire avec des paroisses a subsisté jusqu'à nos jours. Oui, on a vu parmi ces conversions des gens comme Saint-Guénolé. Oui, donc ces Budoc forment des jeunes moines ou des jeunes prêtres qui vont ensuite eux-mêmes aller former des abbayes ou alors faire des conversions dans toute la Bretagne, mais aussi dans toute l'Europe. Alors beaucoup de ces saints ont laissé leur marque dans l'histoire. Guénolé, par exemple, qui a fondé l'abbaye de Landévennec. Et puis localement, on retrouve Volon pour l'Envolon. Maudet, alors son histoire est particulière puisqu'il a d'abord fondé le monastère de Landemaudet et puis pour plus de tranquillité, il est allé s'abriter du côté de l'île Maudet. Et on découvre également Fragande qui a laissé son nom à Ploufragand et enfin à Quintin, Turiot, qui est vénéré dans cette ancienne capitale du Lin. Alors à cette époque des moines, on parlait quelle langue? Dans le Guélo, on parle d'abord le gaulois qui était parlé donc jusqu'à l'époque romaine et qui survit. Et puis on parle le breton, des gens qui débarquent de Grande-Bretagne. Les deux langues sont extrêmement proches et il y a intercompréhension. Et puis peu à peu, donc, ceux qui parlaient le latin, ça se mélange avec du gaulois et ça donne progressivement le gallo. Le gallo qui a survécu jusqu'à nos jours et qui en dualité avec le breton. Et le gallo qui n'a rien à voir avec le français. Non, qui est du français d'avant le français, c'est-à-dire qui est un dialecte d'avant la langue française. Nous étions donc sur cette abinique, sur cette limite linguistique, mais nous étions bien conscients d'être des gens de Haute-Bretagne. On se traitait nous-mêmes d'ailleurs de sauts-bretons. Je ne sais pas, peut-être par une mauvaise liaison des Hauts-Bretons ou des Sauts-Bretons, je ne sais pas vraiment l'origine du terme. Et nous étions des Sauts-Bretons parce que nous ne parlions pas le breton. On voyait vraiment cette différence entre ces gens-là et nous. Ces gens qu'on trouvait qui parlaient un peu fort, d'ailleurs, ils parlaient plus fort que nous. Et on ne comprenait pas toujours ce qu'ils avaient à dire, quoi. Ils nous auraient vendu qu'on aurait pensé qu'ils auraient dit, quoi. On se serait considéré, on était comme sauts bretons, comme si on n'était qu'à moitié breton parce qu'on ne parlait pas breton. À Plélo, par exemple, à Plélo, certaines fermes de Plélo parlaient breton et d'autres parlaient le patois gallo. Hein, le patois gallo. Les Vikings viennent-ils faire des razzias dans le Guélo? Oui, hein, toutes les côtes ont été relativement désertifiées par les Romains qui ont écarter les populations civiles, donc il y a beaucoup de place pour les razzias des Vikings qui n'ont plus qu'à remonter les estuaires et à piller tout ce qui peut être pillé. Et ces Vikings donc vont bâtir des fortifications à proximité des estuaires, notamment le camp Perran qui se trouve près de Ploufragand
et qui est gigantesque et relativement méconnu, qui fait 140 mètres de diamètre. Alors l'après-viking, c'est quoi dans le Goëlo? Donc lorsque les vikings s'en vont, c'est-à-dire vers 937, lorsqu'ils sont battus par Alain Barbetorte, à ce moment-là, donc, le royaume de Bretagne va se constituer, se renforcer et finalement mettre le pays à l'abri des invasions. Donc voilà, donc en fait, toujours cette profusion de montagnes, c'est incroyable dans cet endroit-là. Alors Jean-Jacques, le Goëlo, après les Normands, il devient quoi? Il devient un apanage des Penthièvres, une grande famille qui prétend au trône de Bretagne, au trône ducal. Et c'est à ce moment-là que commence une grande histoire, celle de l'abbaye de Beauport. L'abbaye est fondée en 1202 par un très grand seigneur affilié au duc de Bretagne, ce que l'on appelle maintenant la dynastie des Eudonides. Et donc Alain de Bretagne, cette fondation s'inscrit dans différentes... à la suite d'autres fondations effectuées par la famille à la fin du XIIe siècle. Alain avait d'ailleurs dû acheter des terres. Hein. Très souvent, quand une abbaye est fondée, le seigneur donateur donne une de ses terres. Ce n'est pas le cas ici. Alain achète des terres à une dizaine de personnes propriétaires de terres, d'autant que le comte Alain avait un château à 3 km d'ici, le château de Correc, qui n'existe plus, mais qui faisait partie du jalon défensif de cette dynastie des Eudonides. Donc il choisit un site à proximité d'un château où il peut venir habiter et aller à la chasse, évidemment, si ça lui plaît. Alors Jean-Jacques, le Goëlo, il va jusqu'où dans le sud? Il va jusqu'à la châtellenie de Quintin, elle-même très étendue et qui va jusqu'au centre-Bretagne. D'autres édifices témoignent à la fois d'une certaine richesse et d'un niveau culturel impressionnant des élites. Oui, on a beaucoup de bâtiments, d'édifices religieux, de manoirs, qui révèle une grande prospérité, et notamment cette étonnante église de l'Enlef, qu'on appelle parfois le temple de l'Enlef, et qui est bâtie sur le modèle du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Et puis il y a la grande chapelle de Kermaria. Oui, Kermaria Nuskit, du 14e, 15e siècle, avec une danse macabre tout à fait étonnante. Et là aussi, on a une richesse architecturale qui montre que le Goëlo était vraiment prospère. Et un message philosophique et religieux sur la condition humaine. Mais les Penthièvres s'opposent au Montfort dans la guerre de succession de Bretagne et c'est peut-être pas le meilleur choix qu'ils aient pu faire. Donc ils se voient confisquer le Goëlo et le Goëlo donc appartient désormais aux vainqueurs, c'est-à-dire les Montforts, et qui lui donnent à nouveau une grande prospérité. Les prémontrés ont été de grands aménageurs du territoire. Dès cette période, les donations donc affluent en terre essentiellement. La plupart des revenus de l'abbaye sont des revenus terrestres et non pas maritimes malgré son implantation. Des paroisses, l'abbaye hérite d'une implantation antérieure qu'avait fait le père d'Alain de Goëlo sur l'îlot de Saint-Rion. Et donc toutes les possessions de cette abbaye de Saint-Rion sont transférées à Beauport et en plus Beauport s'agrandit. D'autres possessions de rente, de dîmes. Donc on a tout un espace dans le Goëlo qui est influencé, qui est dominé par les prémontrés. Alors il faut le dire aussi, l'abbaye de Beauport, au moment où elle sera fermée en 1790, est l'abbaye la plus peuplée en Bretagne, peuplée de chanoines, de religieux. Donc ça montre la prospérité de Beauport jusqu'à une époque tardive. À cette époque, la capitale du Goëlo, c'est Châtel-Audrin, plus au sud dans le pays. La première trace qu'on retrouve de Châtel-Audrin
C'est vers les années 1030-1040, c'est la probable date de fondation du château, qui se trouvait à cet emplacement là-bas. Il a été fondé du coup par le comte Audrin, d'où le nom de la cité, Châtel-Audrin, château d'Audrin. Mais de nos jours, les gens appellent ça communément le Châtet. La ville se développe progressivement autour du château, et au XIIe siècle, des moines de l'abbaye de Saint-Magloire de Léon viennent à Châtel-Audrin et obtiennent le droit de créer une église. Entre cette église et le château se créent des faubourgs, une ville qui, de par sa disposition, laisse penser qu'une activité économique florissante y avait siège. On peut voir encore de nos jours dans Châtel-Audrin des maisons de maîtres en très belles pierres de 3 voire 4 étages. De plus, Châtel-Audrin était une ville très commerçante, puisque sur l'actuelle place du Général de Gaulle se trouvaient, jusque les années 1950, des halles dans lesquelles avait lieu une partie du marché et des foires de Gouello qui furent instaurées par les comtes au Moyen-Âge. C'était principalement des activités d'échange autour du lin, Châtel-Audrin étant au cœur de la zone de production des toiles de lin, une activité qui allait grosso modo de Quintin jusqu'au Trégor. C'était donc un lieu d'échange, mais aussi un lieu de passage. La richesse architecturale se poursuit dans les monuments, notamment ce très beau témoignage de Notre-Dame du Tertre. Alors la chapelle, elle abrite deux ensembles de lambris peints. C'est des lambris qui datent du XVe siècle, plutôt 1450-1480. Et donc on a deux ensembles, un plus petit qui se situe dans la chapelle latérale, où on a trois cycles. L'histoire de Sainte Marguerite, qui est un martyr chrétien du IIIe siècle, l'histoire de Saint Fiacre, qui est un moine irlandais, et l'histoire de Marie-Madeleine. Et puis l'ensemble le plus important du chœur, où là on a 96 scènes qui parlent de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alors Jean-Jacques, d'où le Gouello tire-t-il sa richesse ? Ben, la culture du lin. La culture du lin, ça commence d'abord par l'importation des graines des rivages de la mer Baltique, parce que la qualité était très supérieure là-bas. Ensuite, ces graines sont déchargées en Bretagne Nord, donnent lieu à la culture, à la récolte, à l'enlèvement des fils du lin. Ces fils de lin sont vendus sur des foires à L'Envolon, à Châtel-Audrin. Et ensuite, donc, ils vont partir sur les lieux de tissage. Les tisserands sont installés autour des villes de Quintin ou des bourgades comme Uzel ou Saint-Élo. Et il y a de nombreux ateliers qui sont dans les fermes, de nombreux métiers à tisser qui sont dans les fermes. Et c'est là que les tissages sont réalisés, tissage de toile ou tissage de drap. Et que devient ensuite cette production ? Cette production ensuite est exportée vers Saint-Malo ou vers Nantes pour être transportée par bateau vers les lieux de consommation, Grande-Bretagne, Hollande, Amérique du Sud, et souvent en passant par l'Espagne. Cette activité florissante a dû avoir un impact sur la démographie. Oui, un impact considérable. Cette partie du nord de la Bretagne est devenue l'une des plus peuplées du territoire, avec du monde dans chaque paroisse, et les paroisses étaient beaucoup plus peuplées que les communes d'aujourd'hui. On avait 3 ou 4 fois plus d'habitants qu'aujourd'hui, et Quintin était la principale ville du département, du futur département des Côtes d'Armor, à tel point qu'elle a failli devenir chef-lieu. Laissons un agriculteur d'aujourd'hui, installé à Paimpol, nous parler de cette richesse. On peut dire que la prospérité agricole a commencé à ce moment-là, après les guerres de 100 ans, qui ont duré 150. Mais bon, après dite la guerre de 100 ans, le commerce a commencé déjà ici et donc la façade maritime s'est développée avec le commerce, notamment le commerce du blé sur l'Angleterre et les échanges aussi qu'on pouvait avoir avec l'Angleterre, avec du bois. C'était les ports et le littoral ont joué un rôle essentiel pour pouvoir exporter déjà à cette époque-là nos denrées. Et dans ce Gouello, il y avait plusieurs catégories d'agriculteurs. Il y avait ceux qui produisaient, ceux qui pouvaient récolter et qui avaient le machinisme, le peu de machinisme qu'il y avait à l'école pour la récolte, et ceux qui pouvaient stocker. Alors le lin est venu un peu plus tard.
Et il y avait une spécificité proche de la côte qui était déjà due à ces sols de limon profonds et au fait que la zone était précoce. On faisait ce qu'on appelle la graine du lin, donc la partie semence. Et cette partie de semence était très bien valorisée et était exportée sur toute la façade maritime depuis la Hollande jusqu'à la pointe du Finistère. La grande pêche a démarré très tôt dans le Guélo. Demandons à Nelly Souquet comment tout cela a débuté. Je suis née ici, à Ploubazlanec, en 1949. Donc, mon père était marin, mon grand-père était capornier, mon arrière-grand-père islandais, comme on disait. Ils pêchaient à Islande, on les appelait des Islandais. Il n'est pas revenu d'Islande, la Saint-Goélette a coulé corps et bien. Et le père de mon arrière-grand-père a disparu en Islande aussi. La pêche à Terre-Neuve est très très ancienne. Ici, au quartier maritime de Paimpol, nous avons des documents écrits d'un bateau qui est arrivé de Terre-Neuve en 1508, chargé de morue. Et il arrivait de Terre-Neuve. Il s'appelait le Bonaventure. Donc c'est très ancien. Et les hommes partaient pêcher en mars, souvent en mars, pour 6 mois à Terre-Neuve. Quand les hommes sont arrivés là-bas en 1500, c'était la pêche sédentaire. On mouillait dans un havre, on appelait ça d'ailleurs un havre, on lui donnait un nom, il mouillait là, et les hommes pêchaient à la journée, avec des seines, avec les bateaux. Les gros bateaux qui les avaient emmenés étaient mouillés dans la baie, les hommes dormaient le soir à terre et travaillaient la morue de la journée. Et plus tard est apparue la pêche errante, c'est-à-dire que les hommes étaient sur les bateaux et pêchaient d'après les bateaux, du bord des bateaux. Et ensuite, encore beaucoup plus tard, ils ont pêché à partir des doris. Alors là, le gros bateau, c'était souvent un trois mâts avec beaucoup d'hommes à bord, mais avait 10, 12 doris sur le pont. Et les doris, on les mettait à la mer quand on était sur les bancs de pêche. Et là, sur chaque doris, il y avait deux hommes, le patron et puis un autre pêcheur. Et ils allaient poser des lignes de fond. Et le soir, ils revenaient ramener ces lignes qui étaient chargées, où toutes les morues avaient mordu. Et le doris était chargé de morue. Et le grand danger de cette pêche sur les doris, c'est que la brume parfois tombait à Terre-Neuve. Les hommes qui se trouvaient sur les doris ne trouvaient plus le gros bateau. Et ils se perdaient comme ça dans la brume et restaient mourir sur leur doris sans jamais retrouver le Terre-Neuvier. Ensuite, les bateaux revenaient et souvent, ils allaient livrer leur morue à côté de Bordeaux, à Bègles. Et après, maintenant, ils pouvaient aller aussi jusqu'à Marseille. On vendait beaucoup de morue à Marseille. Et les bateaux bretons, ils revenaient au port ici après. Et ici à Paimpol, cette pêche à Terre-Neuve s'est arrêtée en 1926. Quel est l'intérêt de pêche à Islande, évoqué par Pierre Loti? À partir de 1852, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait de la morue à Islande. Louis Morand, a armé un bateau, le premier, l'Occasion, un ancien bateau négrier. Et il l'a envoyé en Islande et on s'est rendu compte que là, il avait ramené beaucoup de morue, donc c'était rentable parce que c'était plus près, disons. C'était plus près quand le temps était beau, ils y allaient en 8-10 jours. C'était beaucoup plus facile que d'aller à Terre-Neuve. Donc petit à petit, de plus en plus, il y a eu de bateaux à partir pour l'Islande. En 1885, là, il y avait quand même au moins 80 goélettes dans le port de Paimpol prêtes à partir pour Islande. Alors, le grand danger de la pêche à Islande, ce sont les ouragans. Les cyclones, les ouragans, le vent qui se lève soudain, les vents qui montent à 150-180 km/h, c'est ce qui a broyé de nombreuses goélettes. La goélette disparaissait corps et bien. Ça veut dire qu'on ne retrouvait rien, pas un bout de bois, pas un homme, rien. Et ça, c'est arrivé aussi souvent, corps et bien. Et là, les veuves, jusqu'à
Rien n'était prévu, il n'y avait pas de retraite. Il n'y avait absolument rien. Et donc, elles étaient soutenues par leur famille. Il y avait beaucoup d'entraide, quand même, familiale. Hein. Et puis, les familles, dès qu'elles pouvaient aller travailler, si elles n'avaient pas trop d'enfants, eh bien, elles allaient travailler. Mais il y a eu des veuves à mendier dans les rues de Paimpol. Ça s'est vu. Deux chanteurs ont fait la gloire du Guélo. Le premier, en 1906, c'est Théodore Vautrel et sa fameuse Paimpolaise. Et puis, plus tard, en 1968, François Budet et l'Ogivi de la mer. L'Ogivi de la mer, te regarde. C'est alors que la crise du lin touche également le Guélo côtier. Et on y trouve deux alternatives dans la seconde moitié du 19e siècle, la marine et les primeurs. Et donc, ce lin s'est développé jusqu'à la guerre 14, parce qu'il y avait de la main-d'œuvre, parce qu'on pouvait faire plusieurs produits. Et malheureusement, l'arrivée du coton, la fin de la marine à voile, l'industrialisation, la motorisation des bateaux, a fait que le lin est tombé. Et dans les années 50, il a disparu complètement. Quand la pomme de terre est arrivée, on a pu également faire commerce. Alors, le déclin a commencé avec la guerre 14-18. C'est là. Déjà, les pêcheurs ont été appelés sous les drapeaux. Ils sont partis à la guerre, tout simplement. Et il n'y avait plus beaucoup de pêcheurs pour embarquer sur les goélettes. Il y en a quand même quelques-unes qui ont été armées, qui sont parties de Paimpol, mais les sous-marins allemands les torpillaient dans la Manche. Alors, petit à petit, bien, ils ne partaient plus, bien sûr. Hein. Et après la guerre, alors en 1920, par là, ben, il n'y avait plus beaucoup, il y avait moins d'hommes aussi. Il y avait moins d'hommes et puis on commençait à aller davantage peut-être à la marine marchande. Toujours est-il qu'il n'y avait plus beaucoup de goélettes à appareiller. La marine marchande va amplement succéder à la grande pêche et ce grâce à la présence ancienne d'une école d'hydrographie. Dès 1935, en fait, quand la pêche à la morue s'est arrêtée, il a bien fallu que tous les hommes du pays de Paimpol qui partaient à cette grande pêche retrouvent du travail. Donc certains se sont reconvertis dans la petite pêche, dans le cabotage le long des côtes, mais beaucoup se sont reconvertis à la marine marchande. Alors les écoles d'hydrographie, elles ont été créées en 1825 en France, et notamment celle de Paimpol. À Paimpol, il y avait plusieurs filières de formation aussi pour la marine marchande. C'est ce qui explique qu'il y avait beaucoup de marins qui venaient de Paimpol au commerce. L'école d'apprentissage maritime, pour ceux qui allaient travailler dans l'équipage. Et puis l'école d'hydrographie, qui formait les officiers de marine marchande. Alors très vite, le port de Paimpol a été un peu limité dans son développement commercial, puisque c'est un port amarré. Donc il y a quand même eu du commerce, notamment de bois, de cultures maraîchères. Mais dès le début du XXe siècle, ça a commencé à se ralentir. Et c'est vraiment parce qu'il y avait les filières de formation à Paimpol que Paimpol était toujours concerné par la marine marchande. Donc certains venaient de très loin en France, mais d'autres des environs de Paimpol. Et puis démographiquement, c'est une école qui était très importante aussi parce qu'il y avait des moments comme le bal des candidats, par exemple, où on encourageait à la fois les futurs officiers de marine marchande à trouver une future épouse à Paimpol. Puisque à Paimpol, les femmes avaient leur père, leur frère qui était marin, donc elles savaient ce que c'était de tenir le foyer un peu seul une partie de l'année. Et puis pour les femmes en question paimpolaises, eh bien c'était une ascension sociale de se mettre en ménage avec un futur officier de marine marchande. Et puis économiquement, l'école était aussi importante. 150 à 200 jeunes qui arrivaient, qui s'installaient, qui vivaient chez l'habitant, qui mangeaient dans les restaurants du port. Donc c'est toute une société qui s'est créée en fait autour de cette école d'hydrographie, donc qui a été créée en 1825 et qui a fermé en 1986. Le Guélo hérite aussi d'une station balnéaire totalement nouvelle. Oui, c'est autour des années 1900, l'industriel Rosengart et l'architecte Marthe Roy décide de créer une station ex nihilo dans un secteur où il y avait seulement des collines, des dunes, une lagune et une grande plage de sable. Ce sont les Rosaires. C'est une station très originale parce qu'elle a été construite entièrement avec la même pierre provenant de la même carrière, avec le même style de maison, des maisons à colombage et avec entourage de béton.
Et donc, peu à peu, on a eu une véritable station moderne avec 5 hôtels extrêmement luxueux et un nombre de commerces assez important. Et c'était à proximité de Saint-Brieuc sans être trop près de Saint-Brieuc, ce qui fait que la plage des Rosaires a connu un grand succès jusqu'aux années 1950. Oui, alors, à l'origine du tourisme, comme vous le savez, il y a un établissement religieux à Saint-Quay-Portrieux qui accueille les premiers touristes qui sont acheminés sur notre secteur briochin par le développement du chemin, des chemins de fer et du petit train à vapeur. Ce petit train à vapeur là passait alors absolument sur les plages, carrément sur les plages, quoi. À Binic, il passait sur la Banche. Hein. Pour passer de la route de la Banche à la plage, il fallait traverser les rails, quoi. Et donc, Binic et Saint-Quay-Portrieux ont été très tôt station balnéaire, c'est vrai, surtout Saint-Quay. C'est Saint-Quay qui a commencé. Et Saint-Quay est devenu par la suite et en conséquence une station balnéaire plus huppée des gens de la Haupenosei, comme on disait en patois, les gens de la haute, les bourgeois qui venaient en vacances, d'autant plus qu'il y a eu très tôt à Saint-Quay-Portrieux un casino. Hein, il y avait un casino à Binic. Alors Binic était plus prolo, disons, moins bourgeois. Néanmoins, Binic faisait la différence entre deux plages. Il y avait la Banche d'un côté, qui était la plage des gens ordinaires, etc. Et puis, derrière la jetée de Binic, il y avait l'avant-port, qui là était la plage des bourgeois. Saint-Quay, donc, c'est... Alors, la rivalité entre Binic et Saint-Quay, elle avait pu naître également du fait que ces deux villes-là, ces deux villages, étaient des ports de pêche. Des ports de pêche très importants. Hein, Binic et Saint-Quay, très tôt, je crois que c'est dès le XVIe siècle, ont armé pour la pêche à Terre-Neuve et puis en Islande. Quel fut le devenir de ces stations alors ? Alors, au cours des années 1950, la station fonctionnait bien et avait un équilibre indéniable. Après, il y a eu le développement massif de l'automobile individuelle et beaucoup de maisons ont été construites pour des habitants de Saint-Brieuc dans des styles tout à fait différents, beaucoup plus en style maison urbaine qu'en style station balnéaire. De ce fait, la station a perdu une bonne partie de son charme. D'autres endroits du Guélo attirent le tourisme de villégiature ? Oui, donc quand on suit les principales stations balnéaires, ensuite il y a des stations plus petites, comme Étables, Bréhec, et ensuite Port-Lazo, et ensuite si on continue vers Paimpol, Port-Sévin, Logivy-de-la-Mer. Donc ce sont des stations beaucoup plus petites, et des simples anfractuosités, qui attirent beaucoup moins de monde que les grandes plages qu'on a vues tout à l'heure. La commune de Ploubazanec, près de Paimpol, a été le théâtre d'un rassemblement régulier de familles intellectuelles, universitaires même, plutôt de gauche, et qui tous les ans se retrouvaient dans leur résidence secondaire. Et c'était des familles comme les Curie, les Perrin, les Joliot, ou également les Lapic. Et donc des familles extrêmement connues en France, qui étaient des habitués de cette côte du Guélo et qui y reviennent encore. Et le Guélo, en crise du lin et de la pêche, gagne des activités inattendues au XIXe siècle, comme la création d'un magazine féminin célèbre. Pour le Petit Écho de la Mode, donc, qui est un journal féminin créé dans les années 1880 par un homme politique du département, ce magazine avait la particularité de proposer aux femmes qui l'achetaient des conseils de couture, mais aussi des patrons pour qu'elles apprennent à faire leurs vêtements eux-mêmes. En 1922, il y a tout juste 100 ans, le fils du fondateur de ce journal décide d'implanter les locaux du Petit Écho de la Mode à Châtelaudrin. Ceci étant avant implanté sur Paris, mais les bouleversements liés à la Première Guerre mondiale ont poussé à une décentralisation du journal. Donc, le site est choisi parce qu'il dispose d'une turbine électrique fournie grâce à l'eau de l'étang, ce qui permet d'alimenter le bâtiment. Il faut savoir que l'apogée du journal se situe dans les années 1950. À l'époque, il y avait 1,5 million de magazines de distribués. L'activité du journal se
connaît un fort déclin à partir des années 70 du fait l'arrivée de la télévision et de la création des pubs commerciales à la télé et en version papier. Le journal est vendu à un concurrent en 1977 et les locaux ferment en 1984. L'actuel bâtiment a été rénové il y a quelques années par la communauté de communes pour être un grand centre culturel d'envergure régionale. Et on peut y retrouver tous les ans un festival de mode en lien justement avec la première activité du bâtiment qui s'appelle l'effervescence. Sans oublier l'agroalimentaire fourni à la fois par la production agricole et la production maritime pour des conserves, des plats cuisinés et des surgelés. La région de Châtel-Audrin et par extension du Gouëllo a su rebondir vers d'autres activités économiques, principalement la pêche sur la côte, l'agriculture qui a toujours été très florissante, mais aussi Châtel-Audrin est proche d'une zone agroalimentaire qui se trouve à quelques kilomètres d'ici, dominé par le principal groupe agroalimentaire qui est Celtigel, mais aussi les usines Nutria et Triskalia. Jean-Jacques, cette côte magnifique, c'est une chance ou un danger ? Alors, ce sont les deux. D'abord, un danger en cas de guerre, parce que ça devient une zone stratégique. Et donc quand c'était la guerre contre la Grande-Bretagne, c'était évidemment un endroit exposé. Quand ça a été une guerre également contre l'Allemagne, ça a été aussi très exposé, un enjeu. Et c'est pour ça que les problèmes se sont posés pendant l'occupation avec la construction du mur de l'Atlantique et avec des combats près de ce littoral. C'est là que prendra place l'épisode du réseau Shelburne. Il m'arrive souvent de dire que si l'histoire du réseau Shelburne a eu tant d'importance dans la mémoire collective, c'est dû en grande partie à ces falaises que nous avons derrière nous. Parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, de janvier à août 1944, se sont déroulées au pied de ces falaises des opérations secrètes menées de nuit par l'intelligence service britannique sous l'égide du MI9, avec l'aide des résistants bretons. Ces opérations consistaient à récupérer, à rapatrier vers l'Angleterre des aviateurs alliés tombés sur le sol français. Alors pourquoi les opérations débutent-elles en 1943 ? En 1943, les attaques contre les points stratégiques tenus par l'occupant, ces attaques s'intensifient et le nombre d'aviateurs tombés sur le sol français ne cesse de grossir, d'où la création de filières d'évasion. Et c'est ainsi que à Plois, Lens-Cochat est devenu le lieu d'embarquement de ces aviateurs. Comment les pilotes alliés parvenaient-ils à cette zone relativement éloignée des combats aériens ? Avant de parvenir à Plois, le trajet était long et semé d'embûches. Il fallait d'abord les recueillir, les protéger des recherches de l'occupant. Il fallait les nourrir, les héberger, leur trouver des vêtements civils, des faux papiers d'identité. C'est toute une organisation qu'il fallait mettre en place. Donc, c'est ainsi que Lens-Cochat est devenu l'ultime maillon de toute une chaîne d'évasion, grâce à laquelle 135 aviateurs alliés ont pu regagner l'Angleterre dans de bonnes conditions. Ils sont sains et saufs. Comment s'effectuaient les embarquements ? Les embarquements avaient lieu au pied de ces falaises, dans des conditions d'obscurité, de silence absolu. On peut imaginer l'angoisse que ça représentait pour beaucoup, donc de se retrouver là. Et qu'en plus, ça se passe au nez et à la barbe des Allemands, qui se trouvent presque à l'aplomb du lieu d'embarquement. Là, on se trouve sur la pointe de la tour, donc avec dans l'axe la tourelle du taureau, au pied de laquelle venait s'ancrer la corvette, la MGB de la Royal Navy. Donc le bateau étant là, il fallait mettre à l'eau des chaloupes, des surfboats,
qui faisaient le trajet pour aller jusqu'à la plage de Lanscochat. Donc tout cela s'est déroulé sous les yeux des sentinelles allemandes qui se trouvaient ici. Leur casemate est là et leur l'équipement, les projecteurs, parce qu'il y avait un projecteur très puissant qui pouvait éclairer toute la plage à tout moment. Et il y avait aussi une batterie, un canon de 75 et des mitrailleuses lourdes quoi, hein, qui étaient placées à demeure un peu plus loin là-haut. Comment a réagi la population locale ? Bien, la population locale a bien vu dès le début de 1944 qu'il se tramait des choses un petit peu étranges à Ploie. Il y avait des mouvements, des va-et-vient, des personnes qui circulaient ici et là. Je crois que la population sentait qu'il se tramait un certain nombre de choses, mais qu'il valait mieux se taire aussi, hein, parce qu'on était en période où les choses étaient en train de basculer un petit peu, quoi. Donc voilà. Et il est important parce qu'il n'a connu absolument aucune perte et a permis l'évasion d'environ 140 personnes. Oui, et c'est vrai que l'estuaire du Trieux était aussi un abri pour les sous-marins allemands. Mais il y a aussi des aspects positifs dans cette côte. Oui, donc on a l'apport d'amendements marins qui ont pu enrichir encore les sols et augmenter donc les récoltes. Et d'autre part, cette côte est extrêmement belle, a attiré l'activité touristique et l'activité de villégiature qui constitue une ressource importante pour l'ensemble du Guélo, sans oublier bien sûr l'archipel de Bréhat. On a vu que la grande pêche a disparu et que la petite emploie peu de monde. Des emplois vont quand même venir des activités maritimes, en particulier de l'ostréiculture. Alors, en baie de Paimpol, c'est pas la première région de culture d'huîtres à l'origine, puisque tout le littoral breton, en particulier, était parsemé d'huîtres plates, surtout dans le Trégor, dans le Jody, le Trieux. Ces huîtres plates étaient exploitées par des pêcheurs professionnels, donc qui avaient des autorisations de pêche là-bas. Ensuite, l'huître plate s'est développée. Ici, sur la baie de Paimpol, elle a été exploitée en huître plate jusqu'aux années 1978-80. À ce moment-là, une maladie a décimé toutes les huîtres plates de France en particulier. Paimpol, la baie de Paimpol a résisté le plus longtemps. Et donc ces parcs étaient exploités par des Bretons, mais pas spécialement des Bretons d'ici, des Bretons du Morbihan. Donc ils ont récupéré ces concessions et ils sont arrivés, eux, avec leurs installations. Ce sont des tables en fer, ce sont des poches en plastique qu'on ne connaissait pas du tout ici avant les années 75-80. Quoi. Et donc tous les parcs ont été reconsidérés de cette façon-là. Et au lieu d'avoir un élevage à plat d'huîtres plates, on est arrivé à avoir un élevage sur installation surélevée, c'est comme ça que ça s'appelle, d'huîtres creuses. Pour l'essentiel, la relance n'a pas été faite par les producteurs locaux. Alors, les gens de la côte atlantique sont arrivés, donc d'Arcachon, de Charente-Maritime, de Vendée, et puis plus tard, donc ces dernières années, de Normandie. Ces gens exploitent donc 550 hectares dans la baie de Paimpol. On peut compter dans les 550 hectares environ 100 entreprises. Et sur ces 100 entreprises, environ 80 sont des entreprises qui ne sont pas de la région paimpolaise. Et donc ces 550 hectares produisent à peu près chaque année dans les 8000 tonnes d'huîtres. Et 80% de ces 8000 tonnes repartent à l'extérieur et sont vendues ailleurs que sur le Trégor Guélo, disons. Aucune appellation spécifique, ce sont des huîtres de Bretagne. Donc elles sont élevées à Paimpol et elles sont conditionnées ailleurs. Heureusement pour la coquille Saint-Jacques, un autre produit de grande qualité, la ressource va être préservée et permettre à la pêche de continuer. Oui, mais quand on passe du bord de mer à la terre, on voit aussi l'agriculture prendre le relais et se diversifier.
Alors ici, le légume est arrivé assez vite. Hein. Donc dès les années 70, la pomme de terre qu'on exportait sur la Grande-Bretagne. Le chou-fleur et l'artichaut est arrivé avant la guerre 14. Le développement s'est accéléré avec l'arrivée du train. En 1905, ici, on a construit la ligne Paimpol-Guingamp qui nous a permis après de développer le chou-fleur et on a pu faire ce qu'on appelle des wagons sur la région parisienne. Et puis sur d'autres régions, on a pu exporter sur toute l'Europe. Depuis 1990, on assiste à un bel effort de diversification. Comment s'est-il fait ? Il s'est fait notamment sous l'influence d'une grande coopérative, l'Union des coopératives Paimpol-Tréguier. Et cette coopérative s'appelle désormais Maraîcher d'Armor. Et elle s'est diversifiée et elle fait partie notamment du groupement de production Prince de Bretagne. Il y a deux choses qui ont fait diversifier ici l'agriculture. C'était vrai dès l'arrivée des légumes, comme c'est vrai depuis 20-30 ans. C'est qu'on est une agriculture dense. Donc on est sur des petites surfaces, avec une pression au départ des grandes familles. Donc il fallait installer beaucoup d'enfants. Puis après, nous, dans notre génération, ça a été la même chose. Le légume plein champ étant... bagarré un peu en toute l'Europe, il a fallu trouver des valeurs ajoutées et on a installé les serres. C'était le même principe. C'est-à-dire qu'avec un peu de surface, 1, 2, 3 hectares, on construisait une serre et on refaisait plus de valeurs ajoutées sur cette petite surface. Et on pouvait cultiver toute l'année en protégeant, en faisant un microclimat. Et avec les serres aussi, on a pu aborder d'autres légumes qui ne poussent pas en plein champ. Notamment, par exemple, la tomate. La tomate est venue, on a un climat pour la travailler sous abri. Le sol d'abord, et notre climat ici breton, qui est suffisamment tempéré en été pour pas avoir trop chaud, et suffisamment doux en hiver pour pas avoir trop froid. Donc ces abris ont permis de pouvoir travailler ces légumes. Et avec le réchauffement climatique, maintenant nos étés sont plus chauds, nos hivers sont plus doux, et on voit qu'on peut maintenant travailler des espèces méditerranéennes et on voit des poivrons, vous avez pu voir des poivrons, du melon. On peut maintenant imaginer, on a des, par exemple des arbres qui pourront pousser sous serre et faire des citrons par exemple, du citron. Alors n'oublions pas un produit local, hein, la vedette nationale, le coco de Paimpol, il est arrivé par voie maritime. C'est un coco paimpolais à l'origine, c'est devenu un coco de Paimpol depuis 1998. Donc on a une AOC et une AOP là-dessus. Donc c'est une production sous signe de qualité reconnue par un cahier des charges rigoureux. Donc elle est arrivée ici dans les années 1920, encore par la mer, encore par un marin et par cette façade maritime. Il a envoyé dans ses valises du coco qui venait d'Amérique du Sud. On suppose que c'est du Pérou dans ces eaux-là. Il a envoyé la bonne graine, parce qu'il a envoyé vraiment le produit adapté à notre terroir. Et pendant la guerre 39-45, comme il y avait des difficultés diverses et variées, et notamment de fourniture de matières protéiques animales, le coco est devenu un produit qui s'est développé dans les jardins pour faire une agriculture de subsistance. Qui voyageait aussi sous sa forme sec. Après-guerre, on a pu le développer et c'est devenu le produit que vous connaissez maintenant. Donc, ces fameuses gousses marbrées, jaunes marbrées, auxquelles vous avez un grain, une protéine, donc végétale. Paimpol et ses environs ont-ils fait des efforts pour sortir de la grande pêche et finalement aussi de l'imagerie traditionnelle ? Oui, le Sud Guélo, lui, avait déjà des moyens de sortir des difficultés. En se tournant vers Saint-Brieuc, qui était en grand développement économique. Par contre, Paimpol souffrait d'être une toute petite ville de 2000 habitants, de ne pas avoir d'espace, et les Paimpolais ont été capables, avec leur maire Max Kérien, d'opérer une fusion de communes réussie avec les communes voisines de Kériti et de Plounaise. Le grand Paimpol fera 8000 habitants, au lieu de 2000 habitants pour l'ancien Paimpol. Désormais, donc, Paimpol avait les moyens de son développement, un nouveau lycée, un hôpital neuf, et d'autres activités se développant. Malheureusement, ils ont perdu ensuite leur école de marine marchande en 1986 et également l'accès ferroviaire pour les marchandises.
La tradition maritime a permis aussi à Paimpol de développer une grande fête d'été, hein, le Festival des Chants Marins. Oui, au moment même où Paimpol perdait son école d'hydrographie, elle se tournait à nouveau vers la mer, dans la tradition des grandes fêtes des vieux gréements, comme à Douarnenez, et mettait sur pied des fêtes maritimes qui durent toujours, le Festival du Chant de Marin. Les fêtes maritimes de Paimpol ont vu le jour en 1989, la première édition. À l'époque, c'est donc une association, petite association de commerçants qui avaient décidé de faire quelque chose pour faire parler de Paimpol, pour faire bouger un peu le territoire et pour lui rendre son dynamisme. La première fête qui s'appelait à l'époque Fête du Chant de Marin et du bateau traditionnel a eu lieu au mois d'août 1989 sur le port de Paimpol. Et a remporté déjà un beau succès. Ils ont mis sur pied une deuxième édition en 1991, l'équipe de commerçants, d'une part, ils ont été confrontés à quelques tracasseries administratives et notamment fiscales. Donc au bout de deux éditions, ils ont renoncé, ils ont abandonné. C'est alors qu'une équipe de nouveaux élus relance la fête en s'appuyant sur une nouvelle association. Oui, sur le rythme d'une fête tous les deux ans. À part les années Covid, le Festival du Chant de Marin se porte toujours très bien. Le public a grandi progressivement. Ça a été une évolution progressive. En 1997, on avait du monde autour du port, 60 000 personnes. Petit à petit, on est arrivé à 165 000 lors de la dernière édition qui a pu avoir lieu, c'est-à-dire celle de 2019. Ce festival est la plus grande fête du nord de la Bretagne. Est-ce qu'on peut en évaluer les effets? On a pu déterminer que les retombées économiques du festival, pour chaque édition, tournaient autour de 10 millions d'euros. Jean-Jacques, d'où vient le financement? Disons, moins de 10% vient des collectivités publiques. Le reste, c'est de l'autofinancement, c'est-à-dire le travail des 1800 bénévoles et les recettes des spectateurs qui sont nombreux puisqu'ils atteignent à la dernière fête 165 000 personnes. Revenons sur les activités économiques. Comment les agriculteurs, finalement, s'y sont-ils pris pour transformer les activités de production et de vente? Donc la coopérative qui est à l'origine des maraîchers d'Armor a été créée en 1964, en février 64. Et c'est venu de la volonté de s'organiser par rapport aux marchands. Et la volonté, c'était un rapport de force entre le monde agricole, le monde production et le monde de la commercialisation. Et les textes de loi nous ont permis de nous organiser, de créer la coopérative, la coopération et l'organisation. Nous ici, on a été un peu plus loin, on a pu créer ce qu'on appelle le marché au cadran, où vous avez à un instant T le rapport entre la distribution, la consommation et la production. La coopérative est le prolongement de notre activité agricole, c'est ce qu'on a regroupé. Notre activité agricole. Et puis nous avons également, dans notre coopérative, acheté du matériel en commun pour conditionner nos légumes, le coco de Paimpol, des tomates, des pommes de terre, et conserver nos légumes. Et aujourd'hui se pose la question du développement du bio. Oui, particulièrement en raison des problèmes de pouvoir d'achat de la clientèle. Alors le bio, ça fait maintenant 20 ans, plus de 20 ans, 25 ans qu'on le développe, depuis les années fin des années 90. À l'époque, c'était des producteurs pionniers, bons techniquement, qui voulaient essayer un nouveau mode de production pour répondre aux demandes du consommateur. La production s'est développée au fur et à mesure de la demande de la consommation jusqu'à la crise du Covid, la guerre, etc., le renchérissement des matières premières et pour le consommateur du gasoil. On assiste à une perdition de la culture bio. Les consommateurs ne sont plus aussi fidèles, la production continue à augmenter et donc on est obligé, pour équilibrer les marchés dans beaucoup de domaines, de les ramener en conventionnel en partie
pour pouvoir valoriser ce qu'on vend en sous-agriculture biologique. C'est assez décevant, c'est assez perturbant. Le bio a été un progrès pour tout le monde. Moi, je ne suis pas bio, mais j'assure une certaine connaissance que les bios m'ont apportée pour pouvoir appliquer en tout ou en partie l'agriculture biologique. Tout ça, ça a été des connaissances que les agriculteurs bio ont bien voulu nous transmettre. Et comme ici, on est les bio, les conventionnels, tout le monde partage les mêmes techniques et les mêmes outils à la coopération. Nous ne cloisonnons pas les choses, mais les choses se diffusent plus facilement. Mais bon, c'est un métier de passion. On a la chance d'être dans une belle région, d'avoir un sol qui nous aide, ces limons-là. Donc, nos parents, nos grands-parents qui les ont enrichis, qui les ont façonnés, c'est déjà un bon départ pour être paysan. Alors moi, je suis la numéro 15, donc ça fait 15 générations qu'on est paysan ici sur la commune. Nous sommes arrivés en 1450 avec les moines de Beauport. Et puis, donc c'est des vieilles générations qui sont ici à Paimpol. Si le nom Guélo est identifié, pourquoi le pays est-il si mal connu à l'intérieur comme à l'extérieur? Disons que dans la région de Paimpol et le Ploua, la notion de Guélo est très bien assimilée. Il y a une identité du Guélo. Par contre, si on va vers Saint-Brieuc, plus on se rapproche de Saint-Brieuc, il y a une notion de pays de Saint-Brieuc qui a un peu pris la place de la notion de Guélo. Et d'autre part, quand on va vers Guingamp, l'attraction de Guingamp est plus forte aussi, et on peut dire que le Guélo est finalement partagé entre trois pôles d'influence, Paimpol, Saint-Brieuc, Guingamp. Nous venons de découvrir un territoire extrêmement riche en histoire et en patrimoine, avec beaucoup de lieux connus et visités. Le Guélo concentre les merveilles et aussi les difficultés de la Bretagne actuelle, spécialement de la Bretagne côtière, notamment concernant l'habitat. Les maisons sont de plus en plus chères sur la côte et sont occupées par des personnes de plus en plus âgées, de moins en moins nombreuses. Et les personnes qui travaillent, les personnes actives, plus jeunes, sont obligées de s'installer dans l'intérieur, à une grande distance de leur lieu de travail, où même là, elles payent des logements et des loyers beaucoup plus élevés qu'avant. C'est vraiment un problème pour toute la Bretagne aujourd'hui. Un paradis, mais pas pour tout le monde. En tout cas, ce reportage nous a prouvé que le Guélo existe bel et bien, qu'il ne le sait pas toujours, mais qu'il n'a pas fini de nous livrer ses secrets.